Monza rue Neuf, son domicile perquisitionné. Ce matin vers 9h, le domicile de l'ancien Premier ministre de la Transition, Munza Rundev, Siza Ankorawatch, a été investi par des éléments des forces de l'ordre. Le président national du parti Monima n'a pas caché son étonnement quant à cette disposition, d'autant plus que les éléments ayant été mobilisés à son domicile n'étaient pas munis de mandat de perquisition. N'ayant pas été averti au préalable, Munza Rundev se demande en outre s'il s'agit d'une coïncidence, notamment après les récentes déclarations liées aux affaires nationales qu'il avait faites la semaine dernière. L'ancien Premier ministre s'interroge également sur les motifs de cette intrusion, sans raison apparente, susceptible d'occasionner des préjudices moraux et psychologiques, dans la mesure où les éléments ayant investi ce domicile privé étaient armés de Kalachnikov et de lance-grenades. S'agit-il d'une manœuvre d'intimidation diligentée par le régime en place à l'encontre du président national du parti Monima? Munza Rundev a annoncé avoir contacté le Premier ministre Olivier Mafal Sulnajasan afin de s'enquérir de l'objet de cette intervention, mais le chef du gouvernement n'aurait pas décroché son téléphone. Questionné à propos des motifs de cette intervention, le responsable s'est abstenu de répondre aux questions des journalistes, car en l'absence d'officier supérieur, il n'était pas habilité à prendre la parole.